Vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. Oui. D'accord. Alors, les facteurs pronostiques histologiques, on va commencer par le premier, c'est le type histologique. On a dit tout à l'heure que certains types de cancers ont un bon pronostic par rapport aux autres types de cancers. Par exemple, le carcinome mucineux et le carcinome tubuleux ont un pronostic meilleur que le carcinome invasif ou bien le mammaire invasif de type non spécifique ou bien le carcinome nodulaire infiltrant. D'accord. L'infiltration du ganglion axillaire, là aussi, c'est un facteur pronostic. La taille tumorale. La taille tumorale. Et bien sûr, en fonction de la taille de la tumeur, on a une classification TNM. La taille de la tumeur qui va de quelques millimètres à une tumeur énorme qui infiltre la peau ou bien la paroi thoracique. Donc, ça va de T1 jusqu'à T4. Et aussi, pour les ganglions, on a le N qui va de N1 jusqu'à N3 en fonction du nombre de ganglions infiltrés. D'accord? On a aussi le grading de Nottingham, c'est ce qu'on appelle l'SBR modifié, le Scarf-Bloom-Richardson modifié par Ellis et Stone, donnant ce qu'on appelle le grading de Nottingham. Alors, ce grading, il est réservé seulement pour les carcinomes. Alors, le seul carcinome qui n'est pas gradé par le Nottingham, c'est le carcinome médullaire. Alors, tous les carcinomes sont gradés par ce grading histopronostique, sauf le carcinome médullaire. Alors, ce système, il tient compte du pourcentage des tubes, d'accord, l'importance des ATP cytonucléaires et la fréquence des mitoses. Et on a donc la somme, donc chaque élément il doit être scoré, c'est-à-dire la présence de tubes ou bien le pourcentage des tubes doit être scoré, le pléomorphisme également et la fréquence des mitoses. La somme de ces trois scores donne ce qu'on appelle le grading. Et donne ce qu'on appelle les carcinomes de grade 1, de grade 2 et de grade 3. Les grades 1, ce sont des tumeurs bien différenciées. Le grade 2, tumeurs moyennement différenciées. Et les grades 3, ce sont des tumeurs de haut grade, généralement très agressives. Ce sont les carcinomes peu différenciés. D'accord? On a aussi les emboles vasculaires. Alors, c'est quoi ces emboles vasculaires? C'est la localisation des cellules carcinomateuses à l'intérieur des vaisseaux. D'accord? Et à condition que ces emboles ou bien ces vaisseaux sont de siège péritumoral. Il ne faut pas chercher les emboles vasculaires à l'intérieur de la tumeur, mais c'est à la périphérie de la tumeur qu'il faut les tenir en considération. Et aussi la qualité de l'exérèse chirurgicale. Il faut chercher au niveau des limites chirurgicales de la pièce de mastectomie, la présence ou non de carcinome in situ ou infiltrant au niveau de ces limites chirurgicales. C'est-à-dire, est-ce que la tumeur a été enlevée en totalité ou non? D'accord? Voilà, ce sont les facteurs pronostiques histologiques qui conditionnent l'évolution ou bien qui nous donnent une impression sur le pronostic de cette maladie carcinomateuse. D'accord? Maintenant, les facteurs pronostiques biologiques et moléculaires. Alors, c'est quoi ces facteurs pronostiques? C'est la recherche de l'expression par technique immuno-histochimique ou bien par technique d'hybridation in situ. Ce sont des techniques complémentaires qui ne sont pas des techniques de routine, qu'on doit les utiliser à la recherche de l'expression de ces facteurs pronostiques. On a dit la recherche de l'expression des récepteurs hormonaux, l'HER2, la recherche de l'expression de l'oncogène HER2 et l'appréciation de l'index de prolifération par l'utilisation d'un anticorps appelé le KI65, le KI67, pardon, ou bien le MIP1. On va commencer par les récepteurs hormonaux, c'est-à-dire qu'on va rechercher
ou bien apprécier ou bien déterminer l'hormone sensible de cette tumeur. Alors, on va utiliser, comme je l'ai déjà dit, une technique d'immunohistochimie complémentaire à la recherche de l'expression des hormones. Quelles sont ces hormones qu'on doit les rechercher? Ce sont les œstrogènes et la progestérone. Quand la tumeur exprime l'œstrogène ou bien la progestérone, la malade est candidate à une thérapeutique complémentaire, c'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Donc vous voyez que la recherche de l'expression de ces récepteurs est un facteur pronostique prédictif à une thérapeutique complémentaire, c'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie. D'accord? On a aussi la recherche de l'expression de l'oncogène HER2. Alors l'oncogène HER2, il ne doit pas être surexprimé au niveau de la glande mammaire normale. Les tumeurs qui surexpriment l'HER2, ou bien les malades qui présentent une surexpression de l'oncogène HER2 au niveau de leur tumeur, ce sont des malades destinés par une thérapie ciblée. On doit donner une thérapeutique spécialisée, c'est ce qu'on appelle l'Herceptine. C'est un anticorps dirigé contre l'HER2. D'accord? Et bien sûr, la recherche de l'expression de l'oncogène HER2 se fait par des techniques complémentaires immunohistochimiques ou bien hybridation in situ. Ce sont des techniques complémentaires spéciales pour rechercher cet oncogène. Et on a aussi l'appréciation de l'index de prolifération. C'est ce qu'on appelle le KI67 ou bien le MIP1, toujours par technique immunohistochimique. Et la valeur prédictive du KI67, c'est que ça reflète une meilleure réponse à une chimiothérapie. Alors, les malades qui présentent un KI67 élevé, et c'est avéré qu'ils présentent une meilleure réponse à la chimiothérapie. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant la partie pronostique? Les facteurs pronostiques, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, il y a une collègue qui a posé les questions sur les emboles vasculaires. Emboles vasculaires, c'est-à-dire que la tumeur a envahi les vaisseaux. A envahi les vaisseaux, d'accord? La glande mammaire, on a vu tout à l'heure qu'elle est faite d'un tissu mésenchymateux où cheminent les vaisseaux. Alors, quand une tumeur envahit le stroma, puis envahit les vaisseaux de voisinage, donne ce qu'on appelle des emboles. D'accord? La présence des emboles est un facteur de mauvais pronostic. D'accord? Vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Y a-t-il un risque pour les dégénérescences des adénofibromes? Normalement, les adénofibromes ne se dégénèrent pas. D'accord? D'accord, oui. C'est-à-dire, vous voulez que je mette les cours en ligne. D'accord. Non, l'adénoïde kystique, ce n'est pas le médulaire. Le médulaire est un type à part et l'adénoïde kystique est un autre type à part. D'accord? Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions? D'accord, on a terminé. Voilà, merci à vous.